Yes, he's done him now. C'est mettre dérapé, non, pour déraper, oui, déraper, yes. Mais, nous entendez moi, mes amis. Vous pouvez me dire, nous ne pouvons pas déraper si nous ne pouvons pas dire, si nous pas dire oui, que nous entendez. Et ça permet que, moi, ouais, qu'il y a ça, est-ce que nous entendez? Si nous disons, les gens disent, vous me dérapez, nous entendez, si nous ne pouvons pas déraper. Non, on dit yes. Bon, il y a un qui dit yes à remplacer tout le monde. Eh bien, nous avons nos amis, go pour cap de mini actualité. Nous connaissons le combat et la bataille qui vient dans Gaza et dans le territoire Gaza. Et il est toujours de mini actualité. Le président Joe Biden qui peut prendre la parole à soi sur le dossier-là. Et côté très probablement, il va demander assistance pour Israël et puis tout, et pour Ukraine tout. Et le président Biden pratiquement retourné à Washington après une visite de Britsoukou qu'il a fait dans Jérusalem, où il a déposé support aux États-Unis pour l'Ukraine. Mais il dit qu'il était venu en entente avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, avec le président égyptien et Abdel et El-Sisi, pour être capable de permettre un couloir humanitaire pour permettre que. Assistance, privé, joindre le monde qui est dans Gaza. Mais il ne semble pas que l'application entre effectivement dans l'application, qu'elle a gagné réticence, surtout pour côté l'Égypte qui dit qu'il fait un frontière, parce que justement pour raison de sécurité, et que faire un frontière. Donc, le président Biden est pour parler à ce dossier-là. Et puis, donc, mais Israël, entre temps, ça va empêcher qu'Israël continue à préparer. Continue à préparer et on attaque terrestre pour lui mener opération pour lui entrer dans le territoire Gaza. Ça a une opération à pied. Je parle de porte en porte. J'ai été fait en 2014. J'ai terminé l'opération de porte en porte. Puis j'ai démantibé les organisations militantes. Mais à pratiquement les battements. Il était fait, mais les battements parce que les militants n'ont pas été là. Donc c'est sous sa dossier ça et le capable pour ce pour le dossier président et discours président Biden qui vous fasse et son heure de pointe mais tout américain à la caille pour tout le monde va chercher un discours pendant ce temps que nous espérons entre temps il y a fort qu'a fait beaucoup côté congrès à tout et dans la chambre des députés a pour essayer d'être élu un nouveau président qui est le speaker of the house qui pour qu'au fait et Jim Jordan qui est un candidat désigné parti républicain yo. Et hier, il y a eu une tentative n'a pas marché. Donc, je dis encore, par exemple, troisième tentative encore pour le web, mais pas que l'autre monde. Il y a quelques candidats, monsieur qui est candidat officiel, mais monsieur a perdu voix. Et au lieu qu'il ait gagné plus de voix, bon, il a perdu dans la voix et républicain. Donc, c'est peut-être la raison qui fait qu'il n'est pas réussi. L'autre grand point qui est censé abdominer l'actualité, c'est. Et c'est capable d'entrer dans le dossier. Ça, c'est Canada, côté que Canada a organisé une rencontre avec le pays CARICOM. Et bien, dans le compte, là, nous avons Haïti sous tapis à tout. Il y a le premier ministre Ariel Henry qui est avec le premier ministre canadien et Justin Trudeau. Bah, deux, pour nous, même qui va connaître, nous dit Justin Trudeau, pas parler de premier ministre canadien, parler de Elliott Trudeau. Et donc, pour un compte, là, il y a un second compte. Tête à tête entre le premier ministre haïtien Ariel Henry avec le premier ministre canadien Justin Trudeau et puis le responsable CARICOM qui est responsable CARICOM dans l'intervention qu'il a fait pendant le sommet économique sécurité avec CARICOM, il a demandé pour que le Canada prenne dossier CARICOM, prenne dossier Haïti en main et où est-ce qu'il est capable d'aider Haïti. Mais tout le monde peut parler, Canada pour présenter le plan que le gain façon que l'État aime que le Canada. Travail avec le pays CARICOM, au point de sécurité, au point de l'environnement et même pour mes assistants. Donc, je vous dis à pratiquement ces derniers jours et nous sommes sur place et Valérie Saint-Louis qui capote nous perdons sur cette question-là. Et dossier immigration, et dimanche qui vient là, et Mexique a organisé une sorte de mini-sommet sur l'immigration côté des invités Haïti, Venezuela.
et alors les deux pays ça yo Haïti donc premier ministre Ariel Henry, Venezuela c'est président Nicolas Maduro, gagné Honduras et puis gagné Cuba et c'est eux invité et puis plus quelques autres pays tout qui c'est pays transit côté et parce que calculer que yo c'est immigrants dans quatre pays ça yo c'est yo cap et déverser immigrants dans les frontières États-Unis partagées avec Mexique là. À un certain point, Mexique a dit que ils conduisent jusqu'à 10 migrants par jour pour frontières. Donc États-Unis après l'embré, Mexique pas on ça pour faire. Mais finalement, il y a pas grand chose. On rencontre avec leader. Certainement, on peut parler de qui est capable de réduire la quantité de monde qui a pratiqué les pays pour venir chercher la vie meilleure aux États-Unis. Et aux jeunes que les Vénézuéliens battent le corps parce que les agents de la douane haïtiens qui font aller aux États-Unis, mais ils disent que de 2021 à nos jours, ils ont intercepté, ils ont mis les mains sous plus de 380 000 Vénézuéliens qui cherchent à rentrer illégalement, qui viennent pour une interview, qui cherchent à rentrer illégalement aux États-Unis. En parlant de ça, on a vu que l'opération, en fait, et programme déportation, en fait, Venezuela a reçu le premier flot, premier groupe immigrant que les États-Unis ont déporté, et ça arrive et mercredi 18 octobre. Là, premier groupe immigrant, c'est 130 euros retournés. Ça fait partie d'un groupe. Parce que les États-Unis avec Venezuela ont joué une entente pour que ça fête, et deux pays ont été annoncés. Il y a pour commencer et déportation vénézuélien. Mais l'autorité de la douane ou l'autorité d'immigration américaine dit que l'opération ça a fait chaque jour et il a déporté tout le monde qui a la nationalité, surtout le monde qui est en Amérique centrale, Amérique Caraïbe, l'Amérique du Sud, particulièrement le Venezuela, et bien, il a déporté, il a déporté, il encourage à passer par voie normale, passer par voie régulière. Prends rendez-vous, viens sous frontière, viens non pas d'entrée, prends rendez-vous. Vin font interview pour essayer de passer pour eux. Mais si vous cherchez à venir entrer, à passer à côté en bas fil pour entrer, et si on va passer dans le système légal là, et bien, les gens mettent sous, ils ont déporté dans le pays tête droite. Donc, l'autorité américaine, donc, dans tout le pays, voilà l'arrivée. Donc, bien sûr, ils ont pris des dispositions, ils ont accueilli les gens. Et ils ont eu le premier ministre qui a programmé le retour à la caille. Mais ils ont accueilli le premier ministre pour nous, pour nous consulter, pour nous santé, manger, médicaments, assurer qu'ils ont santé. Et puis, et ouais, dans quelle mesure pour intégrer dans la société vénézuélienne. Donc ça c'est le premier coup là, et bien, il y a une question de bagage qui parle de parce que chaque jour, il y a des portes parce qu'il y a une immigration américaine qui est en pile vénézuélienne qui est bien qui est en prison. Et ça va que longtemps, l'autorité américaine qui baille et permis de travail à presque 2 millions de Vénézuéliens. Pourvu qu'ils étaient entrés dans le pays avant 31 juillet 2023, et bien ils étaient à bord. Permis de travail, il y a un bon permis de travail et puis tout, il y a garanti qu'il n'y a pas d'adéporté. Donc, tout le monde qui est entré après 31 juillet, eh bien, au sujet de la déportation, et très certainement, nous ne connaissons pas ce qu'on fait là. Et est-ce que c'est le monde qui est déporté, c'est le monde qui est etc. Nous ne connaissons pas. Puis, les Nations Unies et le Conseil de sécurité des Nations Unies ont adopté à l'unanimité résolution 2700. Sous régime sanctions et contre et moun qui a fait des ordres en Haïti ou bien qui a encouragé des ordres, crimes, etc. Et bien, comme la sécurité a encouragé tout ça, et bien, il fait hommage avec résolution. En résolution, il fait tout et hommage avec rapport. Et comité sanction a été préparé. Nous avons un rapport, ça, je dis à les préparer. Bon, rapport à Gélegué, il y a un copia. Mais je ne sais pas si je suis un bagage sous l'île, je ne sais pas si je suis là-dedans, mais je connais que. Et d'après ça, le Conseil sécurité a demandé, il a renouvelé mandat commission ça, il a renouvelé mandat régime sanction, il a renouvelé tout, tout bagage qui fait renouveler tout, régime sanction qui dépend qu'on nous sait de mon en Haïti renouvelé. Et sanction prévoit qu'il est capable non seulement geler avoir bien qu'on procédé, mais qu'on capable saisir tout bagage et tout. Et qu'on y a demandé d'autres bagages, il a demandé à ce que Interpol a intervenu pour même arrêter les gens qui ont longé de sur eux, les gens qui ont identifié comme qui ont fait des ordres en Haïti. Et ils ont demandé que ça doit publier la liste de gens que les résultats d'enquête, le régime sanctuaire a fait, mais la liste de ça, ils ont demandé de publier. Non,
Non, moi ça même. Donc je dis que mon qui alors c'est vous avez écouté mon qui dit que mon qui dans chaud. Que mon qui dans chaud, que mon qui dans courir, les calculer conditions et pour faire partie liste là, mais que mon qui est dans courir et parce que les sous en Haïti et que sanction non si tu en sanction et au pas café on quoi. Donc souvent petit cop non on pas à l'étranger, petit cop la tout été, on pas cap un cop là, souvent on cas à l'étranger, ben y a plus ces cas là. Donc mais on prend justement sortir faire, sortir et sortir après en Haïti, sortir faire en Haïti, sortir faire et c'est là. Dossier haïtien au dominicain, ben pas rien pas bouger. Président Luis Abinader pas bouger lui-même, il dit que lui-même il pas changer position et que frontière, il ouvre frontière lui-même, mais pas gaffe circulation. Et immigrants, mon garçon bizarre, pas qu'il m'a ça seulement. C'est seulement pour essayer de venir chez la Cali. Et venir chez la Cali, ou pas qu'à loin, non, venir chez sous frontière. Parce que, bah, et puis, vous voyez, j'ai envie de marcher sous le bar là. Sous Internet là, nous ne connaissons pas l'image de SCV, TOE, nous ne connaissons mais nous connaissons que l'association importateur ou exportateur des œufs, eux-mêmes, ils disent que tout ont pas plusieurs millions de pondeuses. Et à cause du marché haïtien un peu perdu, donc le gouvernement est promis qu'il va acheter des œufs, mais il ne sont pas capable. Pour quantité des œufs, il faut dire qu'on va pas capable. Ça, le gouvernement ne pense rien. Et il dit que si il y a des gens là, s'il y a 20 œufs, il va vendre un paquet d'œufs, c'est 100 dollars, 100 pesos. Mais il dit que c'est un déficit pour eux, donc il préfère éliminer et prendre des œufs là. Donc c'est comme ça la situation ailleurs, mes amis, problème dans tout côté. Donc Haïti toujours campé sous position. Officiellement, le gouvernement haïtien n'a pas dit que Frontex a fait. Mais une population dans la zone frontalière eux-mêmes, ils ont décidé que Frontex va marcher. Et puis pendant ça, ils ont dit qu'il a continué à construire le canal là. Qui est-ce qui me dit nous encore? Donc on est sur place Jodet et Junior Saint-Ville, les mêmes cabines pour parler nous de ce là. Et puis. Jacques Mbézé par la Rodia, M. Ponti Vacances. Donc, je me rappelle, nous avons démarré M. Affiné. Il y a un monde qui a fait des morts, vous avez demandé M. Maï, il a oublié ça, il n'y a pas de Maï encore. Pas de Maï encore. Il y a M. dit que c'est moi qui l'ai planté, qu'on y a avec quoi. Donc, si nous ne pouvons pas attendre, Maï a fini. Mais, par le Frédéric, là, M. ne pas planter Maï encore parce que. Et il y a un Frédéric, mais il n'y a pas qu'à lever dans Frédéric. Donc, M. Ponti Vacances, ça. Même si, quand même, de côté que d'hier, et la CAP prépare un reportage pour nous, justement, qui va faire ramasser sous la guerre israélo-Hamas, la situation souterrain et l'effort humanitaire qu'a fait pour essayer d'assister et assister la population. Et etc. Donc, Jacques Nafon a fait pour nous. Et puis, c'est aujourd'hui qu'est-ce que nous a fait pour nous tous. On a une bonne idée tout sur le discours président Joe Biden pour commencer à soir. Il a parlé de hier soir, il a parlé de ça pendant le discours président. Il était en route, il a fait aux États-Unis, il a parlé des journalistes qui d'abord et avion président, et bien Air Force One. Mais et, à soir, il a pris son gros discours encore que nous avons le temps pour nous côté pour vous, tout ça qu'il a dit. Et puis. Il y a une délégation qui est pour aller en Haïti, qui va rencontrer avec acteurs politiques encore. Et sorti 29 octobre pour arriver 6 novembre. Il faut que ça passe une semaine pratiquement. Et quand on va discuter avec les acteurs politiques, ils sont pour qui mesure pour une solution à la crise politique. Ça. Et pendant ce temps, il y a un appel qu'on tient à lancer, surtout pour les acteurs politiques, qui ont demandé pour le ministre Henri pour le Badjeli. Ou bien aussi le 7 février pour le Badjeli, parce que. À quoi tu es préparé, à quoi tu dis que le 7 février, tu pourrais passer pour avoir un président élu. Et tu as sauvé tout, mathématiquement, tout ça qui montrait pas bien président élu, pas bien un président élu en date là. Et je dis c'est ça le dit. Mais il y a un monde qui continue à babier pour dire il t'a semblé que le premier ministre Henri a préparé un autre accord encore avec le supporter pour qu'il soit capable de prendre un rallonge et ce pouvoir. Et bon, puis ça encore. Et puis il dit négamé. Kidnappé secrétaire général et HTC. Et c'est hier sa fête, pendant que j'étais dans la Pontinique, éventuellement ça arrivait. Bon, il y a un petit tir qui fait dans son nom. Et nous allons rapporter que Negame semblait être gagné. Et alors c'est M.
son gros directeur qui est secrétaire général à HTCA, c'est au conseil de transition. Eh bien, et il y a un gros tiré et il y a un kidnappé, il y a un uniforme, la police. Et ça encore. Et moi, par exemple, le premier groupe d'immigrants vénézuéliens qui arrivait à l'autre bois, dans le cadre du programme de déportation des États-Unis, fait. Puis les États-Unis dit que, parce que Venezuela signe un accord avec l'opposition pour que, pour élection, pour participer à l'élection 2024, et parce que l'administration américaine, lui-même, doit l'appareil pour les soulager, en façon limitée, le régime sanction que l'administration, que les États-Unis ont imposé contre le régime et Nicolas Maduro. Et puis, bon, on a parlé de tout le monde, et puis, rapport Nations Unies, rapport et commission spéciale Nations Unies sur l'identité, nous avons encouragé les sanctions en Haïti, nous avons encouragé des autres, et gangs, qui ont un rapport avec gangs, nous avons commis des crimes, nous avons armé gangs, etc. Et rapport ça, nous avons dit pareil, mais le président de l'Union Conseil de sécurité, mais ça se fait rapport à fuité, il prend la rue. Et sous bon confinement, on va garder les ou à faire mon soirée. Mais par contre, ça qui est là dans le livre, effectivement, pas là. Mais il y a des noms que j'ai identifiés et que très certainement, ils ont demandé que ce n'est pas sanction seulement, il faut que y ait action tout qui pose tout contre mon soirée. Je dis à mon capitaine car là, je dis à et Fred retourne sur ta vacances, Fred est parti, bien loin. Quand on doit faire n'importe quel temps à voler dans l'avion, on va aller par terre là. Eh bien, Fred retourne, donc ma chance pour nous. Tant de Fred, les aux États-Unis, on y a là. Il va aller dans Ottawa, la petite dernière nouvelle bonne sous et sommet CARICOM. Et Canada. Monsieur Jean-Bert Félix Capitino, passez une très bonne journée. Nao et Pita, côté nous parler côté Bao, nouvelle Sahara, que nous parlons dans le plan. Et nous allons continuer à passer. Et débranchez, continuez les au centre d'affaires, dis-moi, il y a une résolution du Conseil de sécurité de l'Afrique du Nord, parce que je dis, nous croyons que il est capable d'établir sous plateforme. Je accueille déjà donc nous allons visiter ça pour travailler. Pas aimé parce que nous passons bon après-midi non. À demain. Bye bye.